servirait à quoi? Je sais ce que vous allez me dire. La noblesse d'un moulin à café, la dignité du plus humble objet, eh bien... Ah, voilà! Les fanfares, les trompettes, la garde a hurlé son passage derrière les 14 fenêtres. Tout à l'heure, elle traversera le jardin d'hiver et j'entendrai son pied léger sur le sable et sur le tapis. Voilà! Comme chaque matin, elle s'arrête pour jeter un coup d'œil ennuyeux sur le soleil qui se lève, colore sa jeunesse. Et ça joue. Sa jeunesse. Les montagnes du petit berger. Il est accoudé. Elle rêve. Elle prie. Vous savez d'ailleurs, il est encore très loin. J'ai entendu les bêlements de son agneau familier. Mais... Ce qui signifie que la porte de sa chambre fut ouverte un instant, le temps qu'elle en sorte. Et là... Je ne vous permettrai pas de l'interroger, sauf si vous voulez sur un ton... Et grillard. Tu es bien sévère avec un vieux d'un vieil. Taisez-vous! C'est la première fois que je me permets d'intervenir. Vous savez que j'en ai les droits. Alors, n'insistez pas et dites, si vous voulez, pourquoi l'on vous vénère. Ça, je vous l'accorde. J'ai le temps. Et pâle de la miséricorde, tout penché de l'indulgence. Et du pardon, verge, flexible et douce, vêtue de noir, aurore, auréale sur le ciel d'Italie, majesté de toutes les majestés, acteur, travesti. Pour le monde entier, le pape existe, hein? Non pour moi qui le suis. Et c'est afin de pouvoir l'approcher.